le cirque des Marsouins. Il est moins connu parce que, en fait, elle n'a pas fait le même principe d'érosion que celui des trois autres cirques, c'est-à-dire l'évacuation de tous ces débris. Donc, il y a eu le remplissage de ce cirque-là avec des coulées de lave qui se refroidit lentement, qui vient dur. Donc, ça fait un empilement et remplissage de ce paléocirque à plus de centaines de mètres. La richesse du sol et l'hygrométrie ont donné vie à une flore abondante et variée. Par exemple, une espèce endémique qu'on retrouve donc nulle part ailleurs qu'à La Réunion, c'est le bois maigre. Donc ces fleurs que les miels pays, donc le bulbul de La Réunion, aiment se régaler de cette fleur par rapport à leur nectar. C'est une passion en fait qu'on n'en finit pas d'apprendre parce qu'il y a toujours des petits trésors, des petites histoires, parfois même des nouvelles plantes ou des espèces qu'on découvre sur ce territoire.